Les copains, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo anniversaire des abonnés. Et aujourd'hui, on va réaliser les anniversaires en retard que j'ai du mois de décembre. Donc c'est parti, on a deux demandes à faire dans cette vidéo, je vous les présente. On va réaliser une première demande du 5 décembre de la part de Josette Languigné qui nous avait demandé de gratter un petit bingo. Donc le voilà, tout simplement. Et ensuite, on va réaliser la demande de Dimitri Vie qui nous a demandé de gratter deux mots croisés à 5. Donc voilà, les voilà aussi. On va les gratter tout dans l'ordre chronologique. Et donc du coup, si toi aussi tu veux participer aux anniversaires des abonnés, c'est tout simple. Il suffit de laisser ta demande de jeu à gratter dans les commentaires. Bien entendu, elle ne doit pas dépasser 10 euros ainsi que ta date d'anniversaire. C'est très important. N'oubliez pas les copains que toutes les demandes incomplètes ne seront malheureusement pas prises en compte. Et les demandes faites à la dernière minute passeront à la fin du mois. Tout simplement. Voilà, donc c'est parti, on commence avec le bingo. J'espère qu'on fera péter les gains et let's go. Hop, premier numéro gagnant, nous avons un grand, le 72. Donc c'est parti. Le 72, hop, on a ici. Et c'est tout. D'accord, on continue. Avec le 47 qui est là. Hop, hop, hop. Ok. On enchaîne, on a un bébé, le 3, donc le 3 on l'a ici, là, et c'est tout, d'accord, on continue, avec le 37, donc le 37 on l'a ici, et c'est tout, ok, pas top, on continue, avec le 16, donc le 16 on a ici, 2 sur la ligne, là aussi, là, il est tout seul. Et là aussi, très bien. On continue. Avec le 61. Donc là, ça fait 2 sur la ligne. Là aussi, là, 3 sur la ligne. On adore. Là aussi, 3 sur la ligne. Très bien. Et là, il est tout seul. Ok, on continue. Prochain numéro, c'est le 65. Donc là, ça en fait 2 sur la ligne. Là, on l'a pas, on l'a pas. On l'a pas et on l'a pas. Ok, on continue. Avec un bébé, c'est le 10. Donc il est là tout seul. Et c'est tout. D'accord, on enchaîne. C'est encore un bébé, c'est le 2. Donc là, hop, tout seul. La 4 sur la ligne, on adore. Là, il est tout seul. Là, hop, il est tout seul. Ok. Et on continue. On y croit. Et c'est le 36. Donc le 36, il est où? Là, on l'a pas. La numéro jaune est 2 sur la ligne. Et c'est tout. Très bien. On enchaîne. Avec le 41. Qui est où? Donc le 41, ici, 2 sur la ligne et numéro jaune. Et c'est tout. Très bien. On continue, on persévère, on y croit. Avec un grand, le 62. Donc là, ça fait 2 sur la ligne. Et c'est tout. Ok, on continue. Avec le 56, donc là, il est tout seul. Là aussi. Là, 3 sur la ligne, très bien. Là, il est tout seul. Et là aussi. Ok, il nous reste 7 numéros à gratter dans le bingo. Et on a le 66, un grand. Donc là, 3 sur la ligne, très bien. Et c'est tout. Ok, on continue. Avec le 35, il est où le 35? Il est là, 3 sur la ligne. Ok, très bien. On continue. Avec le 73, un grand. Donc là, ça fait 2 sur la ligne. Là aussi, là, il est tout seul. Là, 2 sur la ligne. Et là, 2 sur la ligne. Ok. Allez, 4 numéros pour espérer un gain. Et c'est le 26. Donc là, il est tout seul et numéro jaune. Là, on ne l'a pas. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Bof, bof, bof. On continue. Et c'est le 50. Donc la 4 sur la ligne, on adore. Là aussi, on adore. La 3 sur la ligne. Et c'est tout. Allez, on y croit. On attend de partout. Et c'est mon chiffre à moi. C'est le 32. Donc là, numéro jaune et 2 sur la ligne. Et c'est tout. D'accord. Allez, envoie le bon pour le dernier. Et c'est le 31. Donc là, ça faisait 2 sur la ligne. Là, ça faisait 4. Là, ça faisait 3. Et malheureusement, c'est perdant en ce qui concerne le jeu 1 de ce bingo. C'est pas grave. On va continuer avec le jeu 2. Donc le jeu 2, il faut que les combinaisons soient parfaitement identiques pour remporter la somme qu'il y a dans l'étoile gain. Et let's go. On commence avec un ballon. Et on a un ballon. Ensuite, à côté, on a des notes de musique. Est-ce qu'on a des notes de musique à côté? Ouh là là, mon Dieu, nous avons des notes de musique. Ok, improbable. On continue. Avec ici un diamant. Est-ce que le diamant va faire briller les gains? Et c'est un diamant, les copains. Le bingo est gagnant. Nous avons au minimum récupéré notre mise dans cette vidéo. C'est très positif. On adore. C'est trop bien. Et du coup, verdict, dans l'étoile gain, nous avons 20 euros. Eh ben écoutez, on a récupéré notre mise
Dans cette vidéo, c'est déjà très bien grâce à l'étoile bien, on adore. Et du coup, on la met de côté et on enchaîne avec le premier mot croisé à 5 de la session. Hop, c'est parti. Allez, les lettres gagnantes, nous avons le L, le P, le I, le O, le S, le V, le C, le H, le T, le D, le B, le Q, le X, le F, le Y, le A, le J et le G. Très bien. Donc niveau voyelle, on les a toutes sauf le E et le U. Donc tous les mots qui comportent un E ou un U, nous allons les barrer. Ils sont perdants. C'est parti. Donc les E et les U. Voilà. Allez, quelques mots à contrôler. On va regarder ça ensemble. On a nanti ici. Et on n'a pas le N malheureusement. Donc tous les mots avec le N sont perdants. On a ici, ICI que l'on a. Et est-ce qu'on a IRA pour 5 euros? I. Malheureusement, on n'a pas le R. Donc c'est officiellement perdant en ce qui concerne la première grille. On enchaîne avec le deuxième. On barre tous les mots qui comportent un E ou un U. C'est parti. Ok, allez, on va contrôler le reste. On a talon ici. T, A, L, O. Et je crois qu'on n'avait pas le N. Donc c'est perdant ici. Et par déduction, on a sol. S, O, L. Ouais. Et du coup, bah, le mot croisé à 5 est officiellement perdant. C'est pas grave. On va gratter son acolyte juste à côté. Et c'est parti. Allez, let's go. Les lettres gagnantes sont nous. Le A, le O, le T, le Z, le C, le D, le I, le F, le Q, le M, le X, le H, le B, le U, le S, le P, le V et le Y. Très bien. Donc niveau voyelle, on les a toutes sauf l'éternel porté disparu, le E. Donc on va barrer tous les mots qui comportent un E. C'est parti. Allez, ici on a jargon à contrôler. Donc le J, il est où? On n'a même pas le J, d'accord. Donc tous les mots avec le J sont perdants. Ici on a IRA, I. Et on n'a même pas le R, d'accord. Donc tous les mots avec le R sont perdants. Ici on a suffit, S, U, F, F, I, que l'on a. Et est-ce qu'on a uni pour 5 euros? Donc U. Et on n'a pas le N. Donc c'est perdant en ce qui concerne la première grille. Et on enchaîne avec la deuxième. On barre tous les mots qui comportent un E. C'est parti. D'accord. Allez, le reste, on va le contrôler. C'est parti. On a dauphin. Donc D-A-U-P-H-I et le N. Toujours ce seul N qui nous porte préjudice, donc tous les mots qui ont le N sont perdants. Voilà, on en barre plein. Ici on a pris donc P et on n'avait pas le R. Donc hop, tous les mots avec le R sont perdants. Ici on a il, I, on n'a pas le L, donc c'est perdant. Et cap par déduction que l'on a, c'est A. Et du coup, le deuxième mot croisé à 5 est officiellement perdant. Ben voilà, on valide la théorie comme quoi les mots croisés à 5 sont tout le temps perdants. Et du coup, ben c'est déjà l'heure du récap. Investi 20 euros, récupérez 20 euros grâce au bingo où les deux combinaisons juste en bas étaient parfaitement identiques. Donc du coup, on aura récupéré 20 euros au bingo, ce qui est déjà très positif les amis. Et du coup, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Faites comme vous voulez. Vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre. Moi, personnellement, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Chère et Gratée. Bisous les copains.